Good morgen, Aleid, en l'étude aujourd'hui, le Nishmat Moriverbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, et Risha Batraim Nechemia, ainsi que leur Fouat, Abraham, Uri, Ben Reout, Betor, Charol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, Pereg Gimel, Mishnah Vav, Shchato, Almenat, Leaniach, Damo, O et Emurav, Lemachar, O, le Hotsiyan Nachutz, Rabbi Yehuda, Posel, Vachachamim, Machshirim. Alemenat, litno al gabe akevesh, shelo, kenegede yisod, liten atanitanim lemata lemala, vetanitanim lemala lemata. Etanitanim bifnim bachutz, vetanitanim bachutz bifnim, shiyochluhu temeim, shiyakrivuhu temeim, shiyochluhu arelim, shiyakrivuhu arelim, lashaber atzmat hapesach velechol menuna. להערב דמו בדם פסולין, כשר, שאין המחשבה פוסלת אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו, והפסח והחטאת שלא לשמן. Cette Mishnah va tout simplement nous préciser davantage l'intention qui invalide le korban. C'est-à-dire, on a appris, vous avez peut-être l'impression de voir que c'est les mêmes mots qui se répètent, mais en fait, ce n'est pas du tout les mêmes mots. On a déjà évoqué toutes ces formules-là, de donner les mata, les mala, les mala, les mata, nintanim bachutz, bifnim, bifnim bachutz, c'est vrai, mais justement, en ce sens-là, qu'il y a toute la différence avec la Mishnah précédente, je crois que c'était au début du Perek Bet, si je ne me trompe pas, où on apprenait, le principe, il est comme ça. Il y a deux manières d'invalider un korban. Il y a concrètement, en se conduisant mal avec lui, d'accord ? Par exemple, je suis limité dans le temps, je suis limité dans l'espace. Et qu'est-ce que je fais? Je prends ce korban et je l'amène là où je ne devais pas l'amener. Je le garde alors que je ne devais pas le garder. D'accord? Là, j'ai fait une action. J'ai enfreint. La Mishnah elle va nous évoquer toutes sortes d'actions qui vont invalider au moins partiellement ou complètement le korban parce que je me suis mal comporté avec lui. Ça, c'était des psoulim, gomorim, ça a été invalidé par des actions. Mais maintenant, depuis qu'on a commencé à étudier les halakhot du pigoul et du psoul, bemarchava, il y a aussi à part ça des korbanot que l'on rend invalides à cause d'une mauvaise intention pendant qu'on fait le service, les quatre avodot, shrita, kabbalah, ola, chazrika, égorger, réceptionner le sang, l'amener sur le misbar et le verser. Là-bas, il y a quelque chose de très particulier qui se passe, c'est que même si je fais la bonne action qu'il faut faire, mais avec la mauvaise intention, l'intention va invalider. Par exemple, comme ce qu'on a appris, je n'ai pas le droit de manger un korban khatat le lendemain. Je dois nécessairement finir de le manger. Donc, si je le garde jusqu'à demain, le lendemain, le korban, il est devenu pasoul. Et, d'accord, ça c'est un psoul classique. Si j'ai eu l'intention de l'égorger, c'est-à-dire pendant que je l'égorgeais, j'ai eu l'intention de le garder jusqu'au lendemain pour le manger le lendemain, alors là, c'est devenu un pigoul, d'accord? Le but de notre Mishnah maintenant va être de préciser davantage, de donner plein de précisions sur l'intention exacte qui invalide le korban. Avec, tout d'abord, une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. On l'a fait d'abord dans les mots. Logiquement, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui se passe, après vous allez tout comprendre d'un coup. Shrato almenat leaniach damo. Il a égorgé le korban avec intention de laisser le sang. O et emurav. Ou encore de laisser les graisses à faire monter sur l'autel, les machar, pour le lendemain. O les hotzian, la chutz. Ou encore, il avait l'intention de les faire sortir en dehors du Beth Amikdash. Rabbi Yehuda posel, vachachamim marchirin. Rabbi Yehuda invalide et chachamim valide ce korban. Nous disent que il n'est pas devenu pigoul. C'est-à-dire, je répète encore une fois, qu'est-ce qui se passe? J'égorge le korban avec l'intention maintenant de réceptionner le sang et de garder ce sang jusqu'à la période interdite. La Mishnah me dit qu'il y a en cela une marloquette. Rabbi Yehuda, il te dit, le korban il est devenu pasoul, même pigoul, je pense. C'est pas précisé, c'est intéressant. Je pense que c'est devenu un pigoul, je suis pas sûr. En tout cas, le Rabbi Yehuda le rend pasoul et Chachamim disent non, le korban il est kasher. Je suis sûr que vous devez rien comprendre. Et c'est logique. Parce que vous dites quoi, j'ai pas compris. Il a l'intention de dépasser le temps permis. Donc c'est un pigoul. Quel est le problème? Pourquoi il n'est pas interdit à cause du pigoul? La raison elle est très simple. C'est que jusqu'à maintenant, on avait
il avait, on parlait qu'il avait l'intention d'asperger le sang plus tard, de manger la chair plus tard. Lui, celui-ci, il l'égorge sans aucune intention de manger, juste de le laisser. Et après, il va le jeter à la poubelle. Il ne va plus le verser sur le misbéar. Alors, sans cela, il y a une discussion. Ramim te dit, ben, écoute-moi, c'est plus un pigoul. Le pigoul, ou le psoul, qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est que lorsque tu as l'intention de faire une, de te conduire mal avec le sang que tu devais faire. Aller faire quelque chose de travers. Aller verser le sang, ou dans les, sur l'autel, je sais pas moi, en dehors, avec l'intention d'asperger le sang ailleurs. Aller brûler les parts qui devaient monter sur l'autel, mais où ? À l'extérieur du Beit HaMikdash. Quand ? À une période de là. Mais en tout cas, t'as l'intention d'aller les faire brûler. Là, il a aucune intention, le gars. Il a juste l'intention de les laisser. Intention de les laisser, ça, ce n'est pas une marchava, ce n'est pas une intention, une pensée qui va invalider le korban selon Chachamim. Et Rabbi Yehuda va nous dire que oui, étant donné que... Alors Rabbi Yehuda, il a une autre règle, mais qui va devenir compliquée à cause de l'étude de la Mishnah. Rabbi Yehuda, lui, il a un principe assez simple. Il nous dit, écoute, si l'action elle-même, si tu prenais ce sang et allais le jeter à la poubelle, tu as invalidé le korban, il n'est plus kasher. De ce fait, si tu as l'intention de le faire, tu vas aussi l'invalider. Tu vas aussi le rendre pasoul. Donc finalement, je pense que d'après Rabbi Yehuda, il ne va pas être pigoul. Il va juste être pasoul. Et Rabbi Yehuda, il nous dit quel est le type d'intention qui est invalide. Une intention telle que si tu faisais l'action, tu rendrais le korban sur interdit. Si tu as l'intention de faire cette action, alors le korban aussi est devenu pasoul à cause de ton intention. Tandis que Chachamim, ils nous disent non, la seule intention qui est invalide, c'est Chutzismano, Chutzlimkomo, mais faire manger Chutzismano ou bien brûler ou asperger Chutzismano ou Chutzlimkomo au-delà des limites de temps ou des limites d'espace permises, ou encore le Pessah et le Khatat avec Shelo Lishmo, comme ce qu'on apprenait dans la première Mishnah déjà du Perek. D'accord ? Donc on a maintenant compris la discussion de Rabbi Yehuda et Chachamim. Maintenant, il faut savoir que le principe, dans le fond, c'est la complexité, ça va être expliqué Rabbi Yehuda. Parce que là, maintenant, on va avoir toute une série de choses qui invalide le korban, si on les fait, mais si on a l'intention de les faire, le korban n'est pas invalidé. Je commence avec le premier. Et le problème va être de comprendre pourquoi Rabbi Yehuda ne va pas invalider cette fois-ci le korban, lui, selon ce qu'il nous a appris. D'accord ? Regardez. Almenat ilitenu al gabe akevesh shelo keneged ha'yisod. On avait appris que si on verse le sang, on a égorgé le korban, un korban khatat par exemple, je devais verser le sang dans un endroit bien précis, ensuite l'asperger sur les quatre coins du misbéar, ou bien un cham, une ola, je devais le faire en bas, asperger, jeter le sang comme ça, ouais, en bas, passant, monter sur la rampe du misbéar. Et on avait appris que si toutefois on est parti verser le sang sur le kevesh même, sur la rampe dans laquelle on monte, au lieu de le verser sur l'autel, dans un endroit où il n'y a même pas le yesod, il n'y a pas le socle du misbéar, alors, on avait appris que le korban, il est invalide, mais que le propriétaire s'est quand même acquitté de son devoir d'apporter le korban. En tout cas, le korban a été invalidé. De ce fait, la Mishnah va venir nous dire, ben, sache que si tu as l'intention de verser le sang à un endroit où il ne faut pas le verser, mais qui est encore considéré dans l'enceinte de la Hazara, alors tu t'es acquitté, le korban n'est pas devenu pasoul. Ce n'est pas une intention qui va invalider. L'intention qui est invalide, c'est que si tu as l'intention d'aller faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et c'est en cela qu'il y a la complexité à comprendre. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda ? C'est-à-dire Rabbi Yehuda, puisqu'il nous a appris que toute action interdite, si je pense à faire cette action, j'invalide le korban. Alors là, l'action interdite, et si je pense à la faire, pourquoi ça ne marche pas ? On va répondre à la fin. Pour le moment, on va vite lire toute la série proposée par la Mishnah de types d'actions qui invalident si je les accomplis, mais qui n'invalident pas si je pense à les faire. Ok ? C'est clair ? Ok. Premier cas, c'est « Almenat liteno al-gabei akevesh » Il avait l'intention donc de verser le sang, il avait l'intention, pendant qu'il égorge le sacrifice, ce sang-là, je vais aller le verser sur le kevesh, sur la rampe du misbéar, shelo keneged ha'yisod, pas à un endroit où il n'y a pas en dessous le socle du misbéar. Ou encore, avec l'intention de liten atanitanim le mata le ma'ala, intention de mettre, de verser sur le misbéar ce qui devait être donné en bas, de le verser en haut, par exemple la ola. Il fallait aller au socle du misbéar en bas et l'asperger d'en bas. Et lui, il est monté sur la rampe pour la donner sur les coins. C'est-à-dire, lui, il avait l'intention de prendre ce soin et d'aller monter sur la rampe pour le donner en haut du misbéar. Ou inversement, vetanitanim le mala le mata, ce qui devait être aspergé en haut,
il a égorgé avec intention de les asperger en bas. Ou encore, et anitanim bifnim bachutz, ce qui devait être donné bifnim dans le Oel, dans le sanctuaire, dans le Kodesh, dans le Echal. Et au lieu de penser à aller verser le sang dans le Echal, il s'est dit, ce sang-là, je le verse sur le Mizbeach Hachitzon. Bachutz. Ou inversement, et anitanim bachutz bifnim, ce qui devait être versé à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'extérieur du Echal, donc dans la cour de la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash, mais pas dans le Kodesh HaKodeshim, pas dans le Kodesh, pas dans le Echal, d'accord. Et il a eu l'intention, la plupart des combattants en fait, qui vont passer sur l'autel qui est à l'extérieur, qui est dans la cour, et il a eu l'intention de prendre ce sang et d'aller le verser à l'intérieur, de l'asperger sur le rideau de la parochet. Ou encore, il a égorgé le korban avec l'intention que sheyochluhu temeim, que des gens impurs vont le consommer. C'est aussi quelque chose qui va invalider le korban. Et il le fait pas concrètement, il a juste l'intention de le faire, de le donner à manger à des gens qui sont temeim. Ou encore sheyakrivuhu temeim, il égorge avec intention de laisser des personnes impures venir prendre le sang et aller eux-mêmes l'asperger sur le misbeach. Ou encore sheyochluhu arelim, que des harelim, des gens qui n'ont pas fait le brit mila, vont le consommer, ils n'ont pas le droit de manger. Ou encore chez akrivuhu harelim, qui vont eux-mêmes aller verser le sang sur le misbeach. Ou encore, la shaber asmot à Pessah. Le korban Pessah, vous savez bien qu'il y a marqué que ve'etzem lo tishberu bo. Il faudra, on a interdit pendant qu'on mange le korban Pessah de casser un de ses os. Il faut le laisser intégrer. Et lui, il avait l'intention de... Il a fait son korban Pessah avec intention, il a dit, ce soir, je vais lui casser les os ensuite. D'accord? Ou encore, ve'le'echol emenuna, ou de manger une part du korban Pessah, spécialement, qui est, lorsqu'il n'est pas assez cuit, ou encore même s'il le fait cuire dans une sauce, le korban Pessah doit nécessairement être grillé au feu. Et lui, il avait l'intention de le faire, pas comme il se doit, et ça invalide le korban. Ça invalide ensuite la consommation. Ou encore, les arèves d'Amo Bedam Sulim, il s'est dit, j'égorge le korban, je le récupère et je le mélange avec un autre sang d'un pasoul, d'un korban pasoul. Alors pour tout cela, d'accord, donc de ce fait, quel sera le problème? Si un korban, par exemple, il y a un sang qui traîne depuis hier dans un verre, ben ce sang-là, il faut nécessairement aller le brûler au Beth Hadeshen. Et ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il s'est dit, j'égorge ma nouvelle khatat du jour et je la mélange avec le sang d'hier. Or, ensuite, il ne pourra plus rien faire avec ce sang. Il devra aller le brûler entièrement. Donc, il a invalidé le sang. Et bien, malgré tout, la Mishnah enseigne que le korban, il est kasher, parce que ce n'est pas une intention qui est invalide. Shana marshava poselet, car l'intention mauvaise ne rend invalide, et là, uniquement, chutz lizmano, et chutz limkomo, pesach vachatat shalom lishman, si on a égorgé avec intention de faire sortir le sang, chutz lizmano, au-delà des limites de temps permises, et chutz limkomo, et au-delà des limites d'espace permises, ou encore le Pessah et le Khatat, chez le Lishman, qui avait l'intention que le Korban Pessah et le Korban Khatat, il les a égorgés chez le Lishman au nom d'un autre Korban. D'accord? Pour le moment, donc, on a conclu la Mishnah, on a bien compris le principe, je récapitule encore une fois, essentiellement pour Chachamim, c'est le plus important à retenir finalement, c'est la halakha établie comme ça, que Chachamim pense que toute action, certes, il y a plein d'actions qui vont invalider un korban, c'est si tu les réalises. Mais si tu penses pendant que tu égorges que tu vas les faire, alors ce n'est pas une intention qui invalide, car les mauvaises intentions qui invalident, c'est uniquement chutzizmano, chutzimkomo, et donc intention de le faire sortir au-delà des limites, de temps ou d'espace, ou encore d'égorger le pesach hachatat lishma. Rabbi Yehuda, lui, il discute sur la première partie de la Mishnah et pas sur la deuxième partie de la Mishnah. Rabbi Yehuda nous a dit que s'il a l'intention de laisser les graisses ou le sang pour le lendemain, mais ne rien en faire, ça invalide aussi le korban. D'après Chachamim, ça n'invalide pas. D'après Yehuda, ça invalide le korban, parce que selon Rabbi Yehuda, puisque l'action elle-même, elle invalide le korban, penser à faire cette action invalide aussi le korban. De ce fait, il y a un problème sur toute la suite de la Mishnah. C'est que dans la suite de la Mishnah, ce sont des actions qui invalident un korban, et Rabbi Yehuda ne discute pas sur elles. Rabbi Yehuda pense que si, par exemple, j'ai l'intention de verser le sang sur la rampe pour le verser sur le misbéach, eh ben, je n'invalide pas le korban par cette pensée. Pourquoi?
Alors ça, le Bartenora nous dit comme ça. Va le passer à Rabbi Yehuda, bimachashel enami. Mishum desvirale le Rabbi Yehuda, shachoshev lizrok Adam al hamizbeach afilu shelo bimkomo, kilu chashav lezoroko bimkomo. Ubilvad shelo yachshov lizrok chutz la'azara. Je ne comprends pas tellement ce qu'il écrit dans le Bartenora. Le Bartenora nous rapporte, car l'intention, car selon Rabbi Yehuda, je comprends ce qu'il écrit. Ça résout la moitié de la Mishnah, mais pas la deuxième partie de la Mishnah, il s'en est pas occupé. Le Tosot Yom Tov non plus n'en a pas trop parlé. Donc, j'ai pas tellement à vous apporter. Oui, il y a le Tosot Yom Tov qui en parle. Désolé, je ne l'ai pas préparé avant. C'est pas grave. Pour le moment, en tout cas, Rabbi Yehuda, pour la première partie de la Mishnah, en tout cas, il s'en occupe, clairement. Il nous dit, parce que selon Rabbi Yehuda, tant qu'on pense à jeter, c'est-à-dire, l'intention qu'il avait, c'est uniquement lorsqu'on est sorti complètement. Totalement des limites qu'on devait, où on devait se trouver. Tandis que si on a encore l'intention de le verser dans cette enceinte, dans ce lieu, alors le manque de précision de partir plus sur le kevesh, sur la rampe, plutôt que sur le misbéach ou d'aller à l'intérieur, ce n'est pas une intention qui est invalide parce que ce n'est pas une pensée assez importante. D'accord ? C'est l'idée qui est écrite dans le Bartenora. Apparemment, il y a un Tosot Yom Tov qui rallonge pour plus préciser tous. Désolé, je ne l'ai pas préparé, j'étais un peu fatigué aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Sera.